Bonjour tout le monde, allez go. Pas temps de niaiser, on a des quêtes à faire. Coucou papier Gamini, comment vas-tu? Alors, on était sur quel? Trouver le papier déchiré sur la plaine de Gore. Ah oui, je m'en souviens. Je me suis planté de côté. Ça va, ça va. Bien sûr. Je me trompe de côté. Tout est logique. Salut Elser, ça va? Comment vas-tu? On avance, on avance. On fait des quêtes. Et si je les attaque, elle m'attaque, je crois. C'est ça. Salut les renfas, vous allez bien? Oh, vous tuez le doigt, bah descends! Par un messia là. Bah déjà direct, arrivé déjà sprinté. Ah, et bah ça commence, hein. Pourquoi c'est moi qui ai l'aggro Rain? C'est quoi ton job là? Mais Rain, prends l'aggro! Oh. Je vais mourir. Oh putain! Oh non, je me casse. Ah non. Ah mais il a la gnaque, hein. Faut pas que Barbossa passe par là. Hein. Je comprenais pas, je suis mince. À niveau 15, il met déjà de 9000 de dégâts. Pas logique. Et en fait, il. Parce qu'il a foutu là en fly, il a foutu le Dawa et. Il est allé emmerder un niveau 75. Ah, c'est bon. Alors, je crois que je dois avoir une autre quête qui traîne. Pourquoi? Ça, je peux pas. Quête de matériaux.
Oh. Les phases 2 jouent. Je vais peut-être changer mon oreille parce que ah, la vitesse où ça va, je vais sans doute pas avoir le temps d'y accéder. Oh les Batrags. Il y a encore des quêtes à récupérer ici. De réfugier, on va les récupérer les quêtes. Fabionis, il faut pourtant bien ce que je trouve une solution. Oh bonjour, comment vous voulez entendre mon histoire? J'étais pharmacienne à la colonie 6. J'essaie de prendre soin des gens d'ici, mais c'est pas facile. Nous n'avons presque plus de médicaments pour Gorman. Que va-t-il devenir s'il ne peut plus suivre son traitement? Je reconnais que c'est gênant. Ouais, c'est un sacré problème. Vous m'avez l'air de jeunes gens futés, vous voyez le problème? Gorman a absolument besoin de ce médicament. Il me faut du fluide luminescent de Luxia pour le préparer. Le problème, c'est qu'on ne trouve que la nuit. Je ne peux pas m'absenter, je dois veiller sur lui. Pas de problème, on s'en occupe. On peut vous rendre ce service. Vraiment? Vous acceptez? Ça ne sera pas une partie de plaisir, ça ne vous dérange pas. Non, de toute façon, en même temps, j'ai une quête à faire où ça faut qu'il pleuve et qu'il y ait de l'orage. Merci à vous, je m'occupe des préparatifs. Je compte sur vous. Aucun problème, je m'en charge. Et on a que la quête. Excusez-moi, ça vous dérange si on discute un peu? Vous connaissez Pami, le petit nopon? Il est inconsolable depuis l'attaque de la colonie 6. Il a perdu ses deux parents durant l'assaut. C'est pourquoi je cherche le moyen de lui remonter le moral. Il adore les livres d'images et donc commence à lui en faire un. Seulement, je suis un piètre écrivain. Erwan, par contre, a beaucoup de talent. On s'est enfui ensemble. Je pensais qu'elle pourrait m'aider, mais il me semble un peu réticent. Je reconnais que c'est gênant. Ouais, c'est un sacré problème. Je voudrais seulement que tout le monde reprenne goût à la vie. Mais je ne sais pas quoi faire avec Ewaz. Je veux bien croire que ce ne soit pas facile pour lui en ce moment. Mais le gamin est malheureux. Il faut lui rendre le sourire. Exactement, il le mérite. On va vous aider. Vous en faites pas. On comprend ce que vous avez enduré, vos compagnons et vous. Vraiment? Dans ce cas, vous pouvez bien parler à Ewan de ma part. Rien ne presse. Faites ça comme vous pourrez. Vous voulez bien m'aider? Il faudrait commencer par dire à Ewan que j'ai besoin de son aide. Merci. Aucun problème, je m'en charge. Moi aussi, je veux participer. Bon, toi, t'as pas trop le choix, ma petite chère là. Je n'aime pas parler dans le dos des gens. Et Ernest est insupportable. Il manque comme un arracheur dedans. Pourtant, il n'a pas toujours été comme ça. Il a dû lui arriver quelque chose. How's it going? Un livre d'images pour Pami? Vous voulez que j'écrive une histoire? Pourquoi? Je ne suis plus écrivain. Je ne suis plus rien. J'ai décidé de ne plus jamais toucher à une plume de ma vie. Vous insistez? Très bien. Trouvez-moi de la viande de Poeno. Le liquide qu'on extrait constitue une encre parfaite. Mais vous n'arrivez jamais à en trouver, je le sais. Ne venez pas vous plaindre si vous ramassez un coup de sabot. How's it going? Comment? Vous avez vraiment de la viande de Poneo? Bon, je suis bien obligée de tenir ma promesse, très bien. Je vais le faire. Prévenez Marina. Je vous avais sous-estimé. Enfin, peut-être que cela me remontera le moral. Ouh, bon, en même temps... Il a accepté. Ok, merveilleuse nouvelle. Tout s'est parfaitement bien passé. Une mission accomplie. Olga m'a raconté ce qu'il s'était passé. Ewan nous a demandé de ramener de la viande de Poneo. Et la conscience, vous auriez pu y rester. Il a du talent, c'est sûr, mais ça ne lui donne pas tous les droits. Parce que nous avons besoin de lui de toute façon. Tenez, pour vous remercier. Alors, ça, c'est fait. Il y avait trois quêtes ici, il en manque une. Ah, c'est vous! Vous tombez bien. Vous avez une minute ou deux? Je souhaiterais vous présenter mes excuses. Je me suis mal comportée avec vous jusqu'à maintenant.
Depuis l'attaque, je n'étais vraiment plus vraiment moi-même. Je voulais écrire, mais rien ne venait. Les événements de cette journée restent gravés dans mes mémoires. J'aimerais pouvoir oublier. Je reconnais que c'est gênant. Ma peur m'a poussé à me cacher parmi les enfants et les vieillards. Je me suis enfui alors que Gadolt et les autres se battaient. Je me fais honte. Ça ne sert à rien de t'auto-flageller de la sorte. Personne ne te reproche quoi que ce soit. De ta part, ça me va droit au cœur, Sherla. Tu as peut-être raison. Il est temps de tourner la page. Mais je commence à aller mieux. J'ai retrouvé l'envie de prendre la plume. J'ai recommencé à écrire après avoir parlé avec Marina. Enfin, pour l'instant, ce ne sont que quelques lignes. Nos relations sont quelque peu tendues, mais ça s'arrange. Ce qui m'amène à la faveur que je vous souhaite vous demander. Il nous faut des canneberges acides pour le livre d'images. Cela ajoutera un peu de couleur à l'ouvrage. Marina m'a dit qu'elle n'en avait pas. Ça m'ennuie de vous demander ça, mais pourriez-vous m'en trouver? J'en ai trouvé qu'une! Vous me sauvez la vie. Merci mille fois. Je sais que vous allez y arriver. Bien, je retourne à mon écriture. Aucun problème, je m'en charge. Moi aussi, je veux participer. Et bah... Mais je les ai pas, il m'en manque. J'avais trouvé un item et... Alors, les Valtrax, ils sont où? L'autre, faut que j'aille lui arracher cette... Oh, il y a encore deux quêtes, là. Les Valtrax. Les Valtrax. Il y en a un, là. Un, là. Allez. On shoot là? Non. Il y a la quête de la de mentir comme l'arracheur de dents, t'as mis. L'autre jour, j'ai été faire une balade près du pont de Ragel. Je pensais qu'il n'y aurait aucun monstre là-bas. Grave erreur, j'ai bien failli me faire dévorer. Durant ma fuite, j'ai perdu un cadeau de mon petit ami. Faudrait bien le récupérer. Collé de l'oiseau près du pont de Ragel sur la jambe de Vianis. Ah oui, je l'ai récupéré. J'avais trop peur d'y retourner après ce qui s'est passé. Vous savez toute ma gratitude. Alors ça, on va dans ce premier. Petit ami m'avait confié quelque chose avant l'évacuation. Il paraît d'un lieu offrant une vue imprenable sur le pont de Ragel. Selon lui, on pouvait l'atteindre depuis le sanctuaire. Il a promis de m'y emmener, bien sûr, maintenant. Oui, mais on verra après. Faites attention si vous quittez le camp. N'hésitez pas à fuir, ces ennemis sont trop forts pour vous. Le mieux, c'est encore de faire un détour pour l'éviter. Oh, je me doute. Petit Nopon! Au secours, endroit préféré envahi par monstres. Je les ai vus en allant chercher Miam Précolonicis. Chassez le monstre, vite! Amelin le Dompteur, au nord de la vallée spirale, dans la jambe de Venice. C'est ça. Il est là-bas, niveau 90. Merci, avec trop peur de dire aux autres. Bientôt, vous pourrez retourner chercher nourriture. Encore? Vu plein rempart l'autre jour, grand comme 3 Homs, moi sûr. Homsom veut le bien tatouiller grand chef. Fais peur à moi. Parti vers repère des renforts. Faut que j'y retourne. J'ai déjà tué hier, 2 fois de suite. Tellement peur que dormi que 13 heures cette nuit. Mais Homs, courageux, vont chasser monstre affreux, ça oui. T'abuses. Espèce de nouveau. Il n'y a pas de notre quête là dans le coin. Bon. Pardon, elle est trop vite. Tu m'as mis quelle quête là? Ah, tu m'as mis les canneberges. Okay. Oh.
Les renforts sont là. Là, il y a les niveaux. Oh non, tant plus de Dask. Mais il faut que j'aille plus tard. Là. Prendre Agathe, c'est lui, ma quête principale. Du coup, je me raccroche à la vie. Non, c'est pas vrai. Allez. Des mécons. Eh, mécons. Viens là, tu te bottes le cul. Oh bah non. Et pousse ça, espèce de bécon. Pourquoi chou? Oui, c'est une quête. Ça. Bécon, tête de con. Quoi, tu veux te battre toi aussi? Quand Rain saura prendre l'aggro correctement, il m'appellera. Parce que pour le moment, comment dire que Rain, l'aggro, sans option. Hein. Ça. Ça. Et ça. La caméra a planté. Hein, je sais pas ce qu'elle fait. Ça va, Chou, et toi, comment s'est passée ta journée hier? Oh, tu me lèves le coffre, Chou? Le problème, c'est que j'avance vers la quête principale. Je ne veux pas aller à la quête principale. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis sauvée et après je serai chez Eden. Cool! Ils vont disparaître, on se parle. Le problème c'est que je vais avancer la quête et sans faire exprès. Ou je vais aller sans faire exprès, je vais aller sauver Juju, hein. Pas de bêtises, non. Bon, Rain, tu prends la gros con, tu veux, parce que ça me saoule. Oh là là, il prend jamais l'aggro. Bientôt, bientôt, cool. Bah non. Je vais faire ça, non.
Peut-être, ouais. Grâce à ce nouveau grimoire, un nouveau palier est accessible. Hein? Ça, il y a des chances. Y a rien. Coucou Sid, coucou Astia, comment allez-vous? Astia, Chupine. Un grand coup d'épée aux attaques et touche plusieurs ennemis. Ça. Ensuite. Une petite feinte latérale, vous voyez de l'ombre. Alors, on va faire ça. On souhaite Rain. Ouais, ça ira très bien. Voilà. Qui? Là, c'est sûr que je peux pas augmenter grand chose, hein. Ces trucs. Balle immunisante. Et l'autre, c'est balle bouclier. Un jour, si je dois jouer Charla. Bah, comment vous allez, vous tous? C'est. Ah, la quête, elle est là-bas. Y'a pas le reste de la quête principale. Alors... Peut-être pas forcément envie d'y aller. Ah, oh, ils sont là-bas les Batrax. Oh. J'ai faim mais le réveil est trop est dur, lol. Ah mince. D'accord, la quête elle est complètement... Oh, c'est vrai. Rien. J'ai faim aussi, alors moi je mange. Oui, bah mange! Qu'est-ce qu'on mange, Astia? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné de bon? Partage. Non, mais j'ai le mandat avant toi. Ah ouais, mais non. Ah, viens sur les. Mais reviens! Ce sont des raviolis à la vapeur ou pareil à crevettes. Miam, j'y arrive. Je vais aller manger chez Astia. Hein. Ça va? Ouais, comme ça. Non. Je suis revenu.
merde. Je prends ce repas. Alors moi je prends soit aux crevettes, et je mange le tout, donc je suis pas trop chiant. Pas trop chiant pour manger, ça va. Ah oui, ok, ça y est, c'est l'autre le monteur là. Je vois quelqu'un de ces bizarrement. On a envie de manger une raclette. Ah non, il fait trop chaud pour manger une raclette. Il fait trop chaud pour manger une raclette. L'autre il a encore menti, comme d'hab, de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais c'est qu'un gisement normal. Ouais. Et là, je fais agresser. Je viens de le féconder. Il a encore menti l'autre là. Alors ça je peux pas le faire. Parce que autrement j'avance la quête principale. Est-ce qu'il y en a d'autres des... Ça oui, c'est ok. Ça ouais. Alors, je crois... Ah lui, mais lui il va s'en... Lui il m'énerve. Oui donc lui je suis pas obligé. C'est pas une quête urgente. Ça oui. Ça oui, c'est une quête urgente. Non, je suis juste habillée normalement là. Il y a une lumière verte qui est en train de me brain. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas changer la météo. Moi, j'aurais fait spawn un monstre. En changeant simplement la météo. Ah, salut! Ah non. Au revoir. Ça va et toi, Sid? Comment vas-tu? Comment ça se passe sur Warframe? Enfin, si je peux le manger, vu que... Non, non, mais... Non.
Non, ça, ok. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais Astia, non, mais c'est pas ce que tu crois. Je veux pas te piquer ta bouffe. Voilà. Chichou. Mais je vais pas te piquer ta bouffe. J'aime beaucoup te dire qu'est-ce qu'on mange. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux plats. Ah, les musiques à la cache. No brain. Headshot. Ah, pain de tapioca avec du lait de coco et de la banane saupoudrée de cacahuètes. Alors, je connais pas le. Je connais. Enfin, je connais juste de nom les paires de. Enfin, les perles de. Je connais juste deux noms. Les perles de. Voilà, bref. Donc je vois pas trop ce que c'est en fait. Et pourquoi on appelle ça des perles de tapioca? Ça ressemble vraiment à des perles. Oui, je vais même l'envoyer en MP si tu veux. Vas-y, passe, fais-nous baver, oui. Comment que je puisse y aller? Ah, mais non, du coup, je peux y aller. Ça, je peux pas le faire et pourtant c'est une quête qui doit être faite rapidement. Je peux le faire. Même pas obligé de passer par le pont.
Vas-y, voyons voir ce que c'est. Waouh, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air. Hein. Bonjour. Bon, en gros, va pas falloir que je traîne ici longtemps. Hein. En gros, c'est ça. C'est trop bon, c'est un dessert vietnamien préféré. Je connais pas trop la culture vietnamienne, hein, tu sais, si tu vois. Salut les boîtes de concert, comment vous allez? Bonne journée. Oui, bonjour. C'est pourquoi. Voilà, on a dormi l'autre qui était là-bas. Non, derrière, si je peux lui passer là. Oh, bon. Non, pas de la boîte de concert, mais il m'agace là. Ah, bien. Il est où déjà, King Kong? Il est où déjà, King Kong? Il est dans la... Il est pas par là-bas? What?
Dans, en haut d'un immeuble. Non, mais c'est pas, on parle pas du même King Kong en fait. Ce King Kong là est pas très charmant. Du tout. Alors je me peinais que je trouvais qu'il y avait certains boss qui étaient vachement durs et tout ça. Mais celui-là, il est pas très gentil. Et il est vers la vallée de la spirale. Salut! Mais si vous voulez, on peut aller le voir, hein. Ça peut vous faire plaisir, on peut aller le voir, hein. Mais j'irai pas me battre contre lui, hein. Ah oui, je suis passé à 2-3 de la cata. On a fait une... agressé par les flammes, ça. Mais t'es charmante, toi aussi. Les combats me semblent un peu. Un petit peu mou. Ouais, un peu. Un peu. Je voulais aller où? Gentil de me proposer. Alors, est-ce que ça ressemble à une spirale? Nope. Un truc là. Il y a une quête là? Ah, dérange-toi. Salut! Tu veux que passer? Ah, tu vas te battre. Ok, salut! Et tu vas faire quoi là? Tu vas chercher tes copains? Ouais, bah faut pas trop demander non plus. Hein. Enfin, j'oublie de base. Hein. Demander, hein, c'est un joli de base. T'as quand le tease bar, d'accord.
Oui. Ça, je c'est vrai, je confirme ce que. Oh, il y a un boss. Oui, il y a eu pas mal d'effets qui ont été ajoutés par rapport à la version 8, même à la version 3DS. Dans la version 3DS, le défaut de la version 3DS, c'était que c'était vachement petit sur un plus petit écran. Et là, le défaut de la version Switch, je dirais que les Switch apprennent cher en termes de température quand elles sont dotées. Elle dégage, en fait, la version Switch dégage quasiment autant d'énergie que la version que Breath of the Wild. C'est hallucinant. Essayez de jouer avec Xenoblade avec votre console dockée. Vous allez comprendre rapidement la température que ça dégage. Au bout de 2-3 heures. Deux jours. Bah, j'y pense en fait à m'installer un ventilateur. Regardez. Et qui le jambier. Alors là, on peut même pas y aller. C'est même pas la peine de tenter. Un turboiseau, les ailes déployées. C'est même pas la peine de tenter. Bah, vous regardez si j'ai pas d'autres quêtes dans le coin. Soit je change les horaires, mais. Je peux prendre le truc là? Non. Non. Pourquoi dans mes souvenirs il est à gauche? Les souvenirs d'un monstre tout à gauche. Mais pas là. Enfin si, dans ce coin-là, mais. Ah, moi j'aime bien me promener. Merci la chou. Alors j'ai une sale manie, j'aime beaucoup me promener sur le jeu. Ah, surtout sur les plaines de Go. Mais il est où King Kong? Pourquoi j'ai souvenir qu'il est dans le coin? Je dois pas être au bon endroit. Ça doit être ça. Je vais pas être au bon endroit pour trouver King Kong.
Ah, voir un géant comme lui, ça devrait se voir quand même. Salut! Oh, bonjour, oui. Ah, vous voulez me parler? Mmh. Vous sentez le traquenard? Ah, c'est le bouclier! C'est que j'ai mis un bouclier sur mon personnage. Dans les personnages pour les protéger. Il va tomber, Rain. J'irai pas te chercher. Ouais, il commence à faire jour pile poil au bon moment. La logique voudrait qu'on meure de cette chute. J'irai pas très bien en bas. Pourquoi j'arrive pas à me souvenir où il est? Qu'il est dans du côté de la vallée spirale, mais... j'aurais bien aimé vous montrer le un des world boss, un des cinq. Ils sont cinq, mais j'arrive pas à mettre la main dessus.
Ensuite, est-ce que j'ai une autre quête? Mais bien sûr, j'ai une autre quête. Je la ramène à Olga. Mon rapport à Ewan. Je fasse mon rapport. Les lapix. Alors est-ce qu'il y a la personne là? Les lapix sont là-bas. Et ça prend du temps à faire Attends, les raviolis de crevettes et au bœuf, Astia? C'est assez simple. Oui. Mais ça a l'air tellement bon. Pas à ton dessert. Hein. Bon, si je saute là, je meurs. Genre, préparer la face, faire la fête. Ok, ouais. Je saute ici, je meurs. Dans tous les cas. Ah, j'ai pas dit au revoir à YouTube. Des bisous, YouTube! Vous aimez bien?